Ça va être à vous de jouer en musique. C'est parti. Etienne Dumuc. Vous êtes capable de faire beaucoup mieux en République. Allez, Ronda Ramos qui arrive maintenant à son tour sur mon applaudissement public. Allez, le club de Liévin. Et deux anciens qui pointent que vous sommez tout debout là-bas. On continue de rapprocher la main droite de la main gauche le plus vite possible pour faire du bruit le podium en individuel avec deux anciens sur la troisième marche. Pablo, ça fait la contagne. Bravo Pablo. Allez derrière, Nicolas Castellin, le départ numéro 4, et pour les couleurs de fin, voilà tout l'appelé. Sergueï Kourouchkine. Les couleurs du Thierry Castellin. Alors, vous savez qu'on va faire certainement une belle opération aujourd'hui en France avec Johan Sabi. Oui, avec Johan Sabi. Et Vitrol encore, Nicolas Agneau. Il est sorti en tête à l'issue de la natation. Julien Couder. Et Pierre Nageur également, qui a fait le forcing en vélo. Une très très belle course à pied. Ben enfin, on vient pour la Rochelle, qui attend. Et le jeune, dont je vous parlais tout à l'heure, regardez. Le final. Amita et Yona, le camp du courant individuel. Oui, ce sera intéressant bien de regarder son temps comme ça. Parce que franchement, j'ai vraiment été impressionné. On aura tout à l'heure au niveau des classements. Et ça va sprinter, bien, ça va sprinter. Le public. Ah, le public. Public. Comment. Ouais, Nicolas, regardez Nicolas, Lucine Charles, Montpellier, le Cervignon. Allez, Grégoire Berton, Laurent Spanou, Antoine Muller. Comment terminer. Tous ces garçons qui se sont arrachés. Pendant quasiment une heure de course, allez, le team Pivetson. Davide Pacellini, le Liévin, Liévin Pilatron, Roman Corolle, la grande masque, Yannick Yenner, le Lagardère, Hélène Rocheteau, allez, on continue, Fabien Guérino, Younes Souskoun, ouais, avec les couleurs de Besançon, Thomas Le Tour pour la Rochelle. Vidia Maltener, c'est là également Bruno Fonelval sur Vidrol, Francky Déville, Arsène Durel, ils sont là, ils ont animé l'épreuve, mais ils ont tenu leur rang. Ah, Simon, attention derrière, Jean-Pierre! Allez, Jean-Pierre, jusqu'au bout! Allez, ça continue sur la ligne, arrive avec le public, allez, bien sûr! Les gradins sont pratiquement pleins ici à Angers! Julien Ricci, David Kalinowski, Maxime Poulin, Fernando Alonso González! Hugo Sénérier! Martin Gaucher! Théo Charret, Alexandre Gaud avant lui, nous avions Arthur Orso et Dylan Mania. Bravo Arthur. Comment encore, public. Ah, c'est bon. Magnifique public à Angers pour accueillir Julien Ludovic et Charles. On a eu Alexandre Bon, Liévin sur la finish line avec Emmanuel Renard. On accueille également Maxime Convalet, Frédéric Pierra pour la Rochelle. Frédéric va essayer d'intervertir avec Lionel. Ouais, la grande botte publique, allez. Et derrière pour Cesson,
Et pour le peuple étant féminin en Tartaréa, on ne lâche rien. Jérémy Clément, les couleurs du Tricastin. Le Thibaut de la Haye, Hector Butier pour Liévin. Allez, jusqu'au bout, les gars. La Gardère, le CRV, Raoul Lamour. Baptiste Ménard, Romain Gagné. Le jeune Vincent Millet pour la recherche biathlon pour le peuple étant éliminé. Romain Taillefer pour le Lagardère. Allez, applaudissements pour Grégoire Palardi. Allez, Stéphane, c'est juste avec Étienne Dimunch. Le vainqueur de cette étape aujourd'hui. Alors Étienne, donc une course encore une fois menée de main de maître, je crois que tu es sur un terrain de prédiction, un terrain que tu aimes bien, même si tu envisages bien sûr des distances un petit peu plus longues. Là aujourd'hui, tu as pu exprimer un petit peu tout ce talent qu'on connaît avec Stéphane qui faisait part de ta foulée pour distance, on appelle aussi. Alors, une petite analyse rapide de cette course. Ben, l'équipe, je suis pas le responsable de l'équipe, donc je suis satisfait pour le club. Pour ma part, j'ai fait une performance moyenne sur un peu loin, c'est un peu mieux que le Jonas, on était un peu mieux au-delà. J'avais un peu de temps à rentrer, parce que sur l'effort vélo. Ah oui, on a vu ta vélo, tu avais fait particulièrement l'effort. Ouais, j'ai fait quelques coups droits, par contre le bordel, comme on dit. Et puis bon, finalement, du coup, j'ai retrouvé 3 vies pour les vents, j'ai fait le plan. On aurait aimé être un groupe un peu plus massif pour rassurer, mais vu que Nico et Greg vont utiliser une solette pour papier, à largement souci, et donc je suis parti un peu vite comme on a reçu des 500 premiers mètres, puis après j'ai compromisé, j'ai essayé de gérer le reste de la course aussi pour Embrun, c'est Nando. Oui, justement, il y a Embrun qui approche là. C'est vrai que je sors de 3 semaines d'entraînement à Pont-Rouge, je sors des bornées assez longues, du coup j'ai fait une dernière séance de vitesse, on va dire, avant de faire des allures un peu moins rapides. Normalement, tu vas t'y poser, je suppose, quelques jours avant, quand même. Voilà, j'enchaîne une semaine là, encore en moins justement, pour 11 heures, pour repérer les parcours et pour ensuite juste pour faire ce moment pour continuer la course. Une ambition particulière, ce moment-là? Je suis un compétiteur, donc forcément, oui, je pars avec comme objectif, si on veut dire, déjà, c'est la première. Parce que c'est vrai qu'il faut arriver à terme, si on n'est pas, c'est le premier Ironman, donc je pense qu'à un moment donné, c'est l'enlure, mais on va même changer. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus actuellement par rapport à cette épreuve? Les sensations, la pose du vélo, on dit que ça va être un peu particulier. Et je pense que sur 25 km à pied, ça risque de s'affiller un peu dans les termes. Il va falloir qu'il tourne. Inquiétude, mais après, je me suis bien préparé parce qu'il est idéalement passé avec la poudre et que pas besoin de ma part. Donc, un garçon ambitieux, Stéphane, pour Embrun. Vous le retrouverez bien sûr le capot. Avec grand plaisir, sans problème, il va falloir qu'il tourne à 14-15 à l'heure. Mais ça, il ne sait pas faire. Oh oui, mais je pense que le connaissant, c'est un amateur. Merci Étienne pour ces quelques mots. Le club du Vitrol, bien sûr, que l'on retrouvera tout à l'heure au moment des podiums. Merci Pierre, effectivement, pour cette interview. Alors, on va revenir sur la ligne d'arrivée avec tous ces garçons qui ont terminé. Jérémy Rodil, Thomas Luro, Bastien Copetti, bravo à eux. Et puis Louis Cupilla, qui ont terminé également une 0-3 de course. Merci pour le continu des applaudissements sur la ligne d'arrivée. Avec bien sûr le final Ludovic en catégorie U23 pour le Lagardère par les Racines. Ce sont des jeunes avec ici à ce genre d'épreuve. Catégorie U23, catégorie entre les juniors et les seniors. Certains étaient intégrés aux équipes et puis d'autres sont là pour apprendre, ne rentrent pas dans les classements d'équipe. Mais ils ont la possibilité de venir sur ce type d'épreuve. Alors Stéphane, on va justement le public ne pas partir car les podiums ne vont pas trop tarder maintenant. Je sais bien qu'on est un peu plus quand même. Pour accueillir les 3 équipes féminines et les 3 équipes masculines, ça sera très vite. Donc s'il vous plaît, voyez ça pas, restez avec tous. Vous avez été là, vous avez la duchesse, vous pouvez voir, vous resterez en attendant.
Le bonheur ne va pas tarder. La visualisation est presque imminente avec l'instant et les personnalités sont présentes, donc on enchaînera avec les podiums. C'est parfait, on va garder le public avec nous. Juste le temps de les voir, on va changement si vous voulez. Alors mon Max, Maxime, ramène pour le team Charente. On va faire un petit rappel effectivement de la journée de la allez, les couleurs, on va faire là. Voilà les garçons qui ont, comme on dit, mouillé le maillot pour le club, mais marqué des points. Voilà, fin de course pour le team Spectrum. On a eu l'arrivée de Maximilien Charles, on a eu l'arrivée de Loïc Ferrer. Et nous avons l'arrivée sous les applaudissements. Merci de l'accueillir comme il se doit. Voilà, c'était pour vous faire aussi un petit rappel pour la journée de demain. N'hésitez pas à venir nous retrouver demain à partir de 30 avec la distance 17. Mes amis, découvert du triathlon, 250 mètres de natation, 8 km de vélo, 2 km de vélo. Tout le monde peut le faire. Ici, je vous remets, tout le monde peut le faire. Ensuite, nous aurons les départs pour les jeunes, les coups de rente. À 11h, les coups de rente, 50 mètres de natation, 2 km de vélo, 400 mètres de course à pied. À 11h15, les 11 ans. On augmente un petit peu les distances, 100 mètres de natation, 3 km de vélo, 600 mètres de course à pied. À 11h45, on augmente encore un petit peu pour les 12-13 ans, 150 mètres de natation, 4 km de vélo et 800 mètres de course à pied. Et enfin, 12h30, le triathlon est peut-être pour les non-licenciés et les relais. Relais, un nageur, un cycliste, un coureur à pied. Merci. 750 mètres de natation, 20 vélos, 5 à pied. Et à 15h, ce sera le dernier départ de la journée à 15h avec le bouclier final, le triathlon est Intermarché, uniquement réservé aux licenciés. Ils seront 3000 à prendre le départ. Ils sont nombreux, je vous assure. Et sur les mêmes distances que nous avons eu toute l'après-midi, 20 vélos, 5 à pied. Voilà, vous voyez comme quoi le programme de demain. Bien chargé,